La famille, aujourd'hui, quelque chose de vraiment, vraiment très, très étrange et très inattendu s'est produit à la maison. Ce que nous pensions être une journée simplement ordinaire s'est complètement transformé en journée cauchemar. Parce que nos caméras de surveillance ont détecté la danseuse serbe très, très terrifiante devant la maison. Et je peux vous dire que maintenant, c'est complètement la panique à la maison. Et là, je pense que vous n'allez pas croire à ce qui se passe dans cette vidéo. La famille, il y a un problème, oui oui, il y a un problème, il y a un gros 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 problème. Il se passe actuellement un phénomène très 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 étrange les gars, franchement je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire du tout. Ah bah les gars, hey, vous avez vu? Vous avez vu les caméras ou pas les gars? Oui, oui, mais oui, oui, une créature bizarre là devant la maison, c'est quoi ce bordel là les gars? Vous pouvez m'expliquer? Eh hey, je crois que c'est la danse serbe là, tu sais, très connue sur les réseaux sociaux en ce moment là, ça fait le buzz carrément. Hey, non mais c'est quoi là? Tu me parles d'une danseuse là? Est-ce que vous pouvez m'expliquer là s'il vous plaît là? Là en fait Sim Spooky, ce qui se passe, c'est que c'est un gros phénomène qui est en train de buzz sur les réseaux en ce moment. T'as pas vu ça sur TikTok, non? Bah non, moi je suis au courant de rien du tout là. Faites-moi montrer, vas-y, montre-moi. Mais en fait, c'est super connu sur tous les réseaux sociaux. Eh, hey, franchement, attends, il faut que je te montre là, il faut que je te montre. Hey, regardez, c'est elle la danseuse serbe. Regarde, regarde, Sim Spooky, regarde. Wow, mec, c'est super terrifiant, les on gars. On l'a vu. C'est exactement ça qu'on a vu. On a vu ça à travers les caméras de sécurité de la maison. Regarde, regarde celui-ci. Si vous croisez cette femme dans la rue, fuyez immédiatement car elle risquerait de vous tuer. Quoi? On l'appelle la serbe lady ou la danseuse serbe. Ok, TikTok suivant, vas-y, suivant. Est-ce que vous aussi vous êtes tombé sur cette vidéo extrêmement bizarre d'une femme qui danse dans la rue? Il y a cette vidéo là, par exemple. Ah ouais, oh, bah ouais. Ouais, ouais, mais on la voit de partout sur le réseau TikTok celle-là. Oh, ouais, celle-là elle est trop flippante, celle-là elle fait trop flipper. Hein. C'est la pire, gros. What? Et ouais, elle danse comme ça en plein milieu de la rue, en plein milieu des routes. Ouais, franchement, ça fait flipper. Imaginez qu'elle rentre dans la maison. Non, super terrible, super terrible. Dis pas ça, s'il te plaît, dis pas ça, y'a Spooky. Désolé, les gars. Regardez ça, c'est le pire TikTok que j'ai pu voir. Regarde ça. Quoi? Mais... Il aurait été aperçu à Paris, les gars, c'est vraiment terrifiant. Non, sérieux? Je te jure. Non mais c'est chelou, c'est une dinguerie. Mais ouais c'est une dinguerie. Regarde ça. Et franchement Robtek, si tu vois ça dans la rue, qu'est-ce que tu vas faire toi? Mais mec, je cours. Mais moi aussi. Je cours. Attends mais fais voir. Non mais la question en fait, c'est pourquoi elle se met à danser comme ça là? Je comprends pas trop moi. Mais je te jure je sais pas. On sait pas. C'est incroyable mais c'est flippant. Là je le dis hein, mais je fais que de me répéter. Mais on voit sa tête. Regarde, on voit sa tête. C'est trop flippant. Ok les gars, est-ce qu'on continue à regarder des TikTok ou on arrête là? Moi je dis qu'on continue, regarde. Vas-y, on continue. Comme vous le voudrez. Attendez les gars, on dirait pas que c'est au bout de la rue ça, non? Non. Ouais, c'est vrai. Arrêtez de dire ça, ça me fait. Mais oui, elle a raison en vrai. Arrêtez de dire ça, ça me fait encore plus flipper. Non, mais vraiment, je dis pas ça pour rigoler, Robtek, vraiment. Vas-y, zap, c'est bon. Il y a 3 ans, des adolescents ont filmé une femme en train de danser et tout ne s'est pas passé comme prévu. La danseuse, serbe, est une femme sans nom, qui danse aux intersections et dans les rues la nuit. Elle s'en prend à tout ce qu'elle entend, ou voit, et utilise... Oh mon dieu! Oh, le truc de fou, la dinguerie! Non mais c'est quoi? Non, j'arrête, ça fait flipper! Vas-y, là, tu tombes sur cette femme, fuis au plus vite. Je suis sûr que tu es déjà tombé sur cette vidéo. Oh mais les gars c'est pas possible, on la voit de partout. À chaque fois que je fais que de tourner le téléphone, on tombe toujours sur cette femme qui danse en plein milieu des rues. Mais alors attendez hein, je veux quand même vous rappeler qu'on l'a aperçue grâce à nos caméras de sécurité extérieures de la maison. Et d'abord, est-ce qu'on vérifierait pas qu'elle est toujours là ou pas? Là dans le jardin ou devant la maison? On va checker. Allez, on aura la conscience tranquille les gars, parce que là je vous assure que je vais plus dormir de mes nuits si ça continue hein. Allez, on se prépare les gars. Eh mais par contre, j'ai un petit truc à vous dire là. Et vous savez que si elle nous voit en train de la filmer, franchement là les gars on est mal et elle va nous poursuivre toute la soirée. Donc ça veut dire qu'il faut la jouer discret hein. Eh, je vous fais confiance les gars, moi j'ai trop peur hein sinon. Eh oui, allez bah je mets mon manteau, on se prépare les gars. Et t'inquiète pas Yaspooky, on va essayer d'être le plus discret possible. En attendant Sim Spooky, je te suis et on va essayer de voir si elle est toujours autour de la maison et devant la maison surtout hein. Allez, venez, on va au niveau de la terrasse. Et je crois qu'avec les caméras de surveillance on l'avait vue devant la maison, donc viens voir. Oui, c'était devant la maison. Regarde là. Attends, là-bas, tout au fond, là-bas. Regarde. Regarde, elle est juste là, c'est super terrifiant. Non, mais ouais, elle est encore là. Attention, faut surtout pas qu'elle voit qu'on est en train de la filmer avec la caméra. Là, c'est trop dangereux sinon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre et on va passer par la porte d'entrée. Ce sera plus discret. Let's go. Spooky, dépêche. Chut,
Pas de bruit, pas de bruit. Les gars, je vous l'avoue, c'est vraiment, vraiment flippant. En tout cas, là, on va se dépêcher. On va se dépêcher du temps qu'elle est encore devant la maison. En tout cas, ça peut vraiment, vraiment nous permettre de découvrir plein, 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 plein de mystères au sujet de cette danseuse. Allez, maintenant, il y a Spooky, je te missionne d'ouvrir la porte et on y va. Allez, on y va, dépêche. Ok, bah préparez-vous, les gars, j'y vais, hein. Allez, let's go. Elle est là ou pas? Ah bah non, je crois qu'elle est pas là, je la vois pas. Attends, laisse-moi me rapprocher un peu. Ah bah ouais mec, y'a rien du tout. Attends, vous savez quoi? Vous voulez pas qu'on s'avance encore et un peu plus? Peut-être qu'on va la retrouver, elle a dû partir au bout de la rue. Je sais pas moi, allez, venez. Ok, let's go. Bon bah tant qu'on y est, les gars. Mais attendez les gars, par contre, il faut vraiment qu'on soit vigilant. Et il faut surtout pas qu'elle s'aperçoive qu'on est en train de la filmer. Parce que là franchement les gars, on est mal, vraiment, on sera vraiment mal. Allez maintenant, suivez-moi sérieusement. Et puis franchement, ça peut que nous aider à en savoir un peu plus par rapport à cette danseuse serbe qui fait un buzz énorme sur les réseaux. Allez, allons-y, moi je suis déterminé, allez, go. Ouais, moi c'est vrai, moi je suis curieux, je suis comme Sim Spooky, je suis curieux. Et avec ma méga lampe torche, on va pouvoir éclairer toute la ruelle, allez, venez. Allez, j'allume ma méga lampe torche et on y va, hein. Vas-y, regarde, mec, ça éclaire tout, regarde. Ok, bon bah Sim Spooky fait l'éclaireur, en attendant nous, on va garder les yeux bien bien grands ouverts, parce que moi je veux la retrouver cette danseuse là, hein. Eh, y'a Spooky, si tu vois quoi que ce soit, tu nous le dis, ok? Eh, t'inquiète pas, Robtech, tu peux compter sur moi ce soir, hein, allez. De toute façon, les gars, normalement, y'a pas de surprise. En temps normal, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met à danser en plein milieu de la route. Donc là, on a juste à continuer la route, on continue, et on devrait sûrement la retrouver. Allez, Sim Spooky, dépêchez, les gars. Mais t'inquiète pas, je suis en train de scruter toute la rue, et pour l'instant, je vois rien, mais rien du tout, quoi. Ok, on va regarder un peu partout. Attendez, devant, regarde devant, là. Non, elle est là, elle est devant nous, elle est sur la route. Non. Oh non, c'est super terrifiant. Eh, faut pas qu'elle te voit en train de la filmer, ok? Eh, sinon on est foutu, ok? Il y a un gros problème là. Quoi, je la vois plus, je la vois plus. Mais du tout. Éclaire, devant la route, devant pour voir. Ah mec, elle a disparu, elle a clairement disparu. Non, tu peux pas me dire ça, Sim Spooky. Mais non. Mec, elle a fait une apparition de quoi? De même pas 10 secondes. Et après direct elle a disparu. Je te dis pas de bêtises, hein. Attends, Oui, je l'ai vu, elle s'est volatilisée. C'est super terrifiant là. Oh non, là faut faire attention, ça veut dire qu'il faut faire encore beaucoup plus attention. J'espère juste qu'elle m'a pas vu que j'étais en train de la filmer. Parce que là, franchement, je crois qu'elle va vraiment s'énerver à cause de ça. Et les gars, vous inquiétez pas, y'a pas de quoi s'inquiéter. À mon avis, elle a juste dû partir un petit peu au bout de la rue, c'est tout. Vous inquiétez pas. Ok, let's go. Bah, on continue, les gars. On va continuer à dévaler la rue. En attendant, je crois. Attendez, y'a un virage là. Ah, ça me fait peur. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de continuer, moi là. C'est chelou. Attends, mais vas-y, on continue, c'est pas grave. Allez, Robtech, faut prendre son courage à deux mains. Tout d'abord, t'inquiète pas, j'ai ma méga lampe torche. Hein. Normalement, ça va quadriller toute la zone, ça. Normalement, allez, viens. Bah, je te suis. Allez, go. Attends, faut qu'on s'avance bien comme il faut. Je vous avoue, ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Depuis tout à l'heure, je suis là avec la caméra dans la main. Et à un moment donné, on va se faire griller. Non, mais Yaspooky, t'en penses quoi, toi? Bah, ouais, c'est vrai qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter, les gars. Parce que là, si on continue, on aura forcément des problèmes, c'est sûr et certain. Ouais, t'as raison, Yaspooky. Non, là, ça craint, là. Non, mais arrêtez de faire votre tafiole, là. Et au point où on en est, autant continuer. Et dites-vous que si on la suit, on continue. Peut-être qu'on peut trouver son habitation, les mecs. Oh non, toi, allez, t'es fou, Sim Spooky. Non, mais toi, tu sais pas t'arrêter. Ah non, c'est dangereux, c'est pas un peu dangereux quand même là. Mais vas-y, mais c'est pas grave. Allez, venez. Faut prendre des risques un peu dans la vie, les gars. Allez, laissez-moi me concentrer là. Attends, j'allume ma lumière là. Venez, continue à chercher, vas-y. Attends, essaie de la trouver pour voir. Je crois que je l'ai trouvé. Quoi? Regarde là. Quoi? Juste là. On a votre intersection. Là, ouais. On la voit. Mais ouais, les gars. Elle est juste en dessous du lampadaire, non? Oh non, c'est trop terrifiant, je peux pas voir ça. Je me cache. Et elle me fait trop peur là, cette dame qui danse n'importe comment là, c'est trop terrifiant. Attends, elle est encore là. Mec, mais qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi elle fait que danser comme ça? Eh les gars, faut vraiment rester concentrés, parce que si on continue à la suivre, on peut forcément trouver où elle habite, quoi, les gars. Allez, venez. Mais Sim Spooky, tu dis n'importe quoi. À mon avis, elle a pas de maison. Mais oui, je pense qu'elle est SDF, cette dame là, hein. Qu'est-ce que t'en penses, y'a Spooky, toi? Eh mais oui, t'as raison, Robtech, à mon avis, elle a pas de maison, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on l'aperçoit, elle est sur la route. Ah ouais, non mais c'est sérieux ça, les gars? Vous pensez vraiment que c'est une clocharde, cette celle-là là? Bah peut-être, on sait pas. Ok, vous savez quoi? On continue à suivre la route et puis on verra bien. En plus, mais non, je crois qu'elle vit sous les ponts. Mais oui, je crois qu'elle vit sous les ponts. Venez, suivez-moi. Let's go. Là, stop. Juste devant. Elle est là, elle est tout au bout de la route. Oh non mais... Imaginez, il y a une voiture qui arrive là. Attends, là ça doit être vraiment, vraiment terrifiant. Non mais imaginez les gars, vous êtes comme ça en voiture tranquille et vous tombez sur cette fameuse dame qui danse comme ça en plein milieu de la route. Ça doit être super flippant, non hein? Bah ouais, c'est clair, ça doit faire carrément flipper, hein. Surtout à des heures comme 3h du matin. Bah moi ça serait moi, hein. J'accélère, je l'écrase direct, hein. Tant pis pour elle, hein. Oh non, faut pas faire ça. À mon avis, si tu fais ça et que tu l'écrases, c'est sûr que tu seras maudit à vie. Bon bah là les gars, maintenant je crois bien qu'on se trouve tout juste en dessous du pont. Oui,
je crois qu'elle vit vraiment sous les ponts, cette dame, en fait. Attendez, regarde. Ouais, regardez, on est en dessous des ponts, les gars. Mais ouais, t'as raison, je crois, Crop Tech, elle habite juste en dessous des ponts, donc venez, on s'approche. Ouais, non, mais elle, doucement. Stop, je crois qu'elle est juste en face, regarde. Ah ouais, elle est là. Attends. Elle continue à danser en plein milieu de la route. Mais mec. Attendez, en fait, je crois que c'est pire que ça, elle est en train de s'approcher là, faut qu'on court. Quoi? Mais non, attends. Non, elle nous court après. Elle est là. Courez vite. Attendez, stop. Je crois qu'elle s'est arrêtée, regarde. Elle est en train de danser. Regarde. Elle continue à danser maintenant. OK, les gars, je pense qu'il faut pas rester là. Faut pas rester là, ça y est. Je pense qu'on a été trop loin là. On a été trop loin dans le délire là. C'est trop risqué. C'est beaucoup trop risqué. Maintenant, on rentre à la maison. Oui, je vous le dis. On rentre à la maison, ça suffit, on arrête. C'est trop dangereux. On a pris beaucoup trop de risques, je pense, pour cette vidéo. Ah oui, là, vaut mieux franchement rentrer à la maison avant qu'il ne se passe quelque chose de grave. Allez, on rentre. Allez, on y va, ça y est, on rentre à la maison. Hey, Sim Spooky, il est où, Sim Spooky? Ouais, Je sais pas où il est. Hey, Sim Spooky. Je suis là, en fait, je suis là, Sim les gars. Spooky, t'es sérieux ou quoi? Attends, faut que je t'explique un truc de ouf, là, tu vois, j'étais caché en dessous de l'arbre, là, juste là, et j'ai vu la danseuse rentrer dans une habitation, là, à l'intérieur, là, regarde, dans cette... Où ça, là? Là, juste là, mec. Quoi, devant, dans le portail, là? Ouais, juste là, mec. Wow, mais sérieux? Bah ouais, j'ai tout vu, j'étais caché derrière l'arbre. Ok, bon, bah bien vu, Sim Spooky, ouais, ça, je pense que cette information peut nous permettre de pouvoir faire encore beaucoup plus de vidéos, et forcément, ça va nous permettre d'en savoir beaucoup plus au sujet de cette danseuse. En tout cas, restez bien connectés sur la chaîne YouTube, parce que je vous le dis, c'est que le début, hein. Et oui, plein d'autres vidéos vont sûrement arriver encore au sujet de cette fameuse danseuse très terrifiante. Et alors maintenant, je pense qu'il vous reste juste plus qu'une seule chose à faire, hein. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des autres prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis mettez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Voilà, on se retrouve très prochainement. Allez, ciao !